Vincent Montreuil. Alors, je vois déjà des petits regards interrogatifs. Alors, je vais vous le dire. Oui, je suis une fille. Voilà, déchargez-vous de ça, vraiment. Non, non, je précise parce que parfois, quand on me voit, on pourrait se dire « Eh, est-ce qu'il lui manquerait pas un petit peu de... lumière ?» Non, moi, clairement, si j'étais le 8e nain de Blanche-Neige, eh ben, je serais sans plat. Tu vois, il y a des femmes, on les regarde pas dans les yeux parce qu'elles ont des gros seins. Moi, on me regarde pas dans les yeux parce qu'on pense que je suis de dos. Non, j'ai conscience, hein, vraiment, de cette image que je dégage. Les gens me le rappellent tous les jours. La dernière fois, un mec m'interpelle dans la rue pour me dire « Eh, vas-y, cours, pédale !» Cours, pédale ? Je lui ai dit « Va falloir choisir, mon pote, je vais pas pouvoir faire les deux en même temps, hein. » Il a pas compris. Non, non, j'ai vraiment confiance et cette image me convient très bien. Souvent, les gens me disent mais Charlotte, t'aimerais pas changer de sexe? Tu sais, les gens, ils te proposent ça comme s'ils te proposaient un petit café gourmand, quoi. T'es sûr? Tu veux pas une bite? Non? Non, non, ça va. De toute façon, moi, on m'a toujours dit que j'étais un garçon manqué. Même si j'ai jamais vraiment compris cette expression « garçon manqué ». Pour moi, un garçon manqué, c'est une fille réussie, non? On peut pas être manqué des deux côtés, les boules. C'est ma mère qui disait ça. Elle me disait aussi, tu sais Charlotte, la société elle est comme ça, il faut que tu t'adaptes, que tu fasses un effort, que tu rentres dans les moules. Au final, c'est ce que je fais. Parfois, ma mère, elle me disait aussi, mais range ta chambre, merde! Mais bon, ça n'a rien à voir. Non, en fait, moi, dans ma tête, je suis un petit peu les deux. Je suis un peu un homme et un peu une femme. Et parfois, ça pose des problèmes de ne pas faire franchement partie d'un côté. Tu vois, en fait, moi, dans ma tête, eh ben, je suis un couple. Et quand j'ai un couple d'amis qui se disputent, un couple hétéro, eh ben, je ne peux pas prendre parti. Eh ben, non, je suis d'accord avec les deux. Elle parle trop. Ouais, bah, elle se confie, elle t'aime. Tu te rends compte qu'il peut passer 3 jours sans se laver, hein? Bah ouais, mais s'il fait rien. Il est pas sale, non? Elle veut jamais me faire l'amour. Mais oui, mais lave-toi, mec, aussi! Non, c'est compliqué, vraiment. En soirée, c'est pareil. Les soirées, mec, j'aime bien. On est là, posé, entre couilles. Petite soirée, bière, pizza devant un match de foot. J'aime bien. Même si entre nous, j'ai toujours préféré regarder le football féminin. Voilà, je trouve que ça joue plus, il y a plus de buts, il y a moins de chichi. N'empêche, attends, j'arrive. N'empêche, au foot, c'est quand même un des seuls endroits où, pour une fois, les femmes simulent moins que les hommes. C'est vrai, ils sont fragiles, les mecs, au foot. Neymar, par exemple. Le mec est toujours par terre. Le gars a 30 ans, il a bouffé plus de gazon que moi. Les boules! Alors, les soirées filles, c'est encore pire. Je suis dans Rendez-vous en Terre Inconnue. C'est quoi, les filles, ces nouvelles soirées pyjama, là? Enfin, on est plutôt sur du pyjama pilou-pilou en forme d'animaux. La dernière fois, je me suis retrouvée coincée entre un panda et Pikachu qui voulait me faire une manucure. Parce que je cite, oh, « S'il te plaît, Charlotte, est-ce qu'on peut te faire les ongles? Je suis sûre que ça va trop bien t'aller, s'il te plaît. » Ça, tu vois, Charlotte, c'est du vernis. Vernis. Dis-le, Charlotte. Vernis. Oui. Vous savez ce qu'on va faire, les filles? On va la maquiller, on va la coiffer, on va lui mettre une robe et des talons. Ça va être génial, meilleure soirée de notre vie. En fait, pour elle, je suis un challenge. Et c'est aussi dans ces soirées que t'entends leurs pires histoires de fesses. Et je peux te dire que quand t'as une licorne
qui vient te voir et qui te raconte que son mec est pas contre un petit doigt dans la boîte à Benko, bah tu sens qu'il est temps de se resservir un petit coup, quoi. En boîte de nuit, c'est pareil. La dernière fois, c'était entrée gratuite pour les filles. Eh ben, j'ai cassé le caissier. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Du coup, ce soir, c'est gratuit pour les filles. Ouais, ok. Ouais, chef. Eh ben, je sais pas. Non, bah, c'est un... Enfin, c'est une... C'est un Yel, chef. Eh ben, je sais. C'est une sorte de Bilal Hassani. Mais à l'envers. Ok. Bon, bah, du coup, on va faire moins 50%. En boîte de nuit, l'hétérosexualité reste au vestiaire. Et moi aussi, du coup. Bah oui, les filles se roulent des grosses pelles entre copines, les gars jouent à chabit, je joue quand? Bon, il y a quand même un jeu que je préfère vraiment faire avec les garçons en soirée, c'est aller faire pipi. Voilà, les filles, vous y allez à 15, c'est pas du tout mon délire. Moi, je préfère y aller avec les gars. En plus, on est à la fraîche, au fond du jardin. Mon petit côté écolo, tu vois. Alors, au début, c'était pas simple. Bah, j'étais la seule accroupie. Pas forcément au meilleur niveau. Salut. Fais gaffe, t'as une petite grosseur là, ça a été pas la dernière fois. Hein. À mon avis, faut faire contrôler ça. Du coup, il a fallu que je m'adapte. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté une petite cup. Vous connaissez cet objet, ça s'appelle un pisse debout. C'est une sorte de bec verseur en silicone qu'on se met là. Et comme ça, nous aussi, on peut pisser tout autour de la cuvette. Franchement, les gars, c'est fun, j'avoue. En plus, moi, je l'ai tuné avec un petit système hydropulse à injection. Une fois sur deux, j'arrive à faire de l'électricité. Alors, les filles, deux conseils avec cet objet. Un, en acheter un fluo. Pour pisser sur le bord de la route la nuit, c'est beaucoup plus safe. On vous voit de loin. Deux, et c'est très important, ne pas oublier, ne jamais ranger avec les moules à cupcake. La dernière fois, j'ai eu la foufoune qui sentait le crumble au poire pendant une semaine. Bah, ça fait bizarre quand même. Hein. Et je vous parle pas du goût du crumble. Voilà, je vais vraiment vous laisser sur cette image. Merci beaucoup. Merci beaucoup.